que je l'ouvre seulement maintenant parce que je n'ai pas du tout eu l'occasion de l'ouvrir pendant les vacances, mais pendant la deuxième partie de cette semaine de vacances. Donc je le fais maintenant, je suis rentrée de vacances, je suis bronzée, ça se voit pas, mais en vrai je suis bronzée, j'ai des couleurs et tout, j'ai bonne mine, j'aime bien. Ça dure pas, c'est pas grave. J'ai lu pendant les vacances, je vous avais laissé dans le vlog précédent avec ma lecture de Du même sang de Dinin Milner, publié chez Cherche Midi, qui est donc paru la semaine dernière. Non, on est samedi, on est samedi, on est samedi. Et donc il est paru mercredi, jeudi, mercredi, jeudi, jeudi, mercredi, voilà. Et donc ça a été une excellente lecture, j'ai mis quelques post-it. Et on suit donc trois femmes, trois destins de femmes, trois générations au cœur des années 60, puis 70, 80, 2000, 2010, aux États-Unis, dans une période qui commence pendant la ségrégation. On suit des Noirs américains, des Noirs américaines, qui ont chacun leur histoire et leur lien de sang qui va vraiment les lier, je me répète, mais d'une certaine manière, même si elles ne connaissent pas forcément leurs racines, nous on connaît leurs points communs et on va découvrir du coup ces histoires. J'ai beaucoup aimé Grace, j'ai adoré Dolores, j'ai beaucoup aimé Rae aussi. C'est vraiment un roman à côté duquel il faut pas passer. Il est gros, mais croyez-moi, il se lit bien. J'ai lu 266 pages d'un coup, je ne pouvais pas m'arrêter. J'ai eu au début un peu de mal, mais je pense que c'est parce que je manquais de concentration, parce qu'après je suis rentrée dedans, je n'arrivais plus à le lâcher. Il est passionnant, vraiment, il est important. Il fait partie des bouquins qui sont sortis là récemment au Cherche Midi, comme J'ai un nom de Chanel Miller aussi, qui sont importants à lire. C'est important de lire cette littérature-là, il ne faut pas passer à côté. Donc voilà, Du même sang de Dinin Milner. Où est-ce que je vais le mettre? C'est le bazar autour de moi, vous n'imaginez même pas le bazar que c'est, parce que j'ai plein de trucs à vous montrer. Hop, j'ai lu ensuite le tome 3 des Chroniques de San Francisco. Petit tome de l'été, j'avais redémarré cette saga en 2019, l'été où j'ai accouché, et du coup je me suis dit, tiens, c'est quand même dommage de ne pas continuer cette saga. Je l'avais lu quand j'avais 20 ans, j'avais lu les 4 ou 5 premiers tomes, je crois. Je m'étais arrêtée à Baby Cake, ou d'un bord à l'autre. Je crois que ouais, Baby Cake, c'est le prochain. J'ai lu les 4 et j'avais acheté d'un bord à l'autre, mais je n'avais pas lu. Donc j'avais lu les 4 premiers. Et j'ai un souvenir d'un truc avec Michael, dans Michael, qui n'est pas encore arrivé. Donc je pense que ça doit être dans le tome 4. Et là, nous sommes dans les années 80. Je ne peux pas trop vous spoiler. Enfin, vous raconter, parce que je vais vous spoiler les deux premiers tomes. On est toujours au 28 Barbary Lane. Et c'est 28, hein, je crois. Je crois que c'est le 28. J'ai un doute. Oui, 28. À San Francisco, chez Madame Madrigal, qui est une femme qui a la tête sur les épaules ou pas, qui a des habitants de sa propriété, qu'elle appelle ses enfants. Et une de ses habitantes s'appelle Marianne, qu'on suit dès le premier tome, puisqu'elle débarque, elle, à San Francisco, dans cette demeure qu'elle ne connaît pas, elle ne connaît personne. Elle arrive, c'est un peu le bazar, et elle va trouver un cocon au 28 Barbary Lane, qui va être... sa famille, c'est sa deuxième famille, et Madame Madrigal est parfaite. Elle a des secrets, elle a des histoires à raconter. On va découvrir une partie de son histoire dans le tome 1. Puis dans le tome 2, on va suivre d'autres personnes comme Michael, qui est parfait, j'adore Michael. Il est homosexuel dans les années 70 à San Francisco, et c'est rocambolesque, il vit à fond sa vie. On l'adore, Michael, il est excellent, extraordinaire. Avec Marianne, ils forment un duo génial aussi. Et puis, il y a d'autres personnages. Il y a Franny avec sa fille Didi. Et on va les suivre comme ça, de tome en tome. Donc là, c'est le tome 3. Il s'est passé des choses. On retrouve certains personnages. On découvre des choses. Et j'ai adoré ce tome. Il est très drôle, vraiment drôle. Il y a... Alors, est-ce que j'ose dire qu'il fait Cozy Mystery? Il est sorti en 80, je crois. 82. En fait, Marianne va mener un peu une enquête, malgré elle, aux côtés de Franny, de Didi, en fait Didi, non. Bref, Prue, à côté de Prue, je crois. Elle va mener une enquête comme ça, et à la fin, je me dis, on dirait presque du Cozy Mystery, et à la fin, il y a quelqu'un qui dit, une des deux personnages qui dit, on devrait quand même en parler à la police, il serait plus à même de résoudre cette enquête. Mais oui, c'est du Cozy Mystery. Bref, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce tome, et je me garde donc la suite pour l'été et les étés prochains. Je me suis écrit de toute façon des résumés spoilants, donc comme ça, si j'oublie, et ben j'oublierai pas, puisque c'est écrit. Ma version date de... 96. Non, c'est vrai? C'est pas possible.
C'est pas possible. La version, voilà, 2001, c'est ça. Je pense que j'ai dû l'acheter à ce moment-là. Mais sinon, il date de 82. Et publié en France en 96. Voilà, il y a 8 tomes. Et j'ai aussi mon autre famille, le tome hors série, biographie de Ernestine Maupin, qui retrace aussi son écriture sur les chroniques de San Francisco. Et que je lirai à la toute fin, après le tome 8. Donc j'en suis pas encore là, probablement dans 5 ans. Je serai vieille. Enfin, je serai plus vieille que maintenant. Donc voilà, le tome 3, c'était trop bien, trop trop bien, trop trop bien. Nouvelle lecture qui n'était pas prévue, mais que je cale. C'est le tome 5 de Anne de Green Gables, qui s'appelle Anne et sa maison de rêve. Voilà, c'est une couverture toujours aussi magnifique. Merci, Monsieur Toussaint. Voilà, formidable. Et en plus, j'ai un marque-page parfait, absolument parfait, pour cette lecture, puisque c'est Anne. Et les deux m'ont été offerts par Ludivine, lecture du chapitre. Je ne sais pas si tu passeras par là, je te fais un bisou. Mais voilà, je suis dedans, là, je suis à 26 pages, je suis bien, je suis... Tranquille, je ne sais plus quand j'ai lu le tome 4. Je l'ai piqué à ma belle-mère, elle l'avait, je l'ai lu là-bas, j'ai dû le lire à la Toussaint. Ah, ça fait presque un an du coup que je l'ai lu, je pense. Ou peut-être même plus. Je ne sais plus. Bref, c'est pas grave, je sais à peu près ce qui se passe. Et je ne peux pas vous le dire parce que je vais vous spoiler. Mais Anne grandit, elle mûrit, elle est adulte, voilà. Il y a toujours Diana. Et il y a d'autres personnages et... Tatatin, voilà. Elle a trouvé sa maison de rêve. Donc je pense que là, je vais l'avancer un petit peu, j'ai une course à faire, je prends le bus, et surtout demain je pars donc à Nantes, en formation, je prends le train pendant 2h30, et je pense que je vais le dégommer, parce que j'arrive en plus à Nantes à 19h, et je ne vais pas sortir demain. Donc je vais lire demain soir à Donf, et mon objectif c'est de le finir demain soir pour emmener avec moi Pages & Co, tome 1, Tilly and the Book Wanderers, de Anna James. Couverture très jolie, très bookish. Et en plus, à l'intérieur, il y a des illustrations. Presque à chaque page, il y a des petits détails, comme ça. Sinon, il y a des grandes illustrations, comme ça. Des bouquins. Hop. Voilà. Ça parle de quoi ? À 11 ans, Tilly Pages a vécu chez ses grands-parents, dans la librairie de ses grands-parents, depuis que sa mère a disparu. Un jour, les personnages de son livre favori apparaissent dans la librairie et elle découvre qu'elle peut les suivre dans leur monde à travers la magie de Book Wandering. La littérature de l'imaginaire, je sais pas, l'imaginaire des livres, bref. Est-ce que son nouveau pouvoir va résoudre le mystère de ce qui s'est passé avec sa mère il y a quelques années? Et je traduis en direct, hein. J'ai jamais lu le résumé, je suis fière de moi. Voilà, il fait quand même 400 pages, hein, presque. Je pense que je vais en chier un peu, mais c'est pas grave. Je l'ai mis aussi sur ma liseuse, parce que sur liseuse, j'ai le dictionnaire, et que si j'ai besoin, eh ben, je peux aller faire pouc, Wikipédia, traduit. Parce que je pense que je vais un peu galérer, même si c'est du jeunesse. Je me suis mis ça en unique lecture à partir de lundi jusqu'à vendredi, je crois. Il est pas gros, il fait 400 pages, c'est du jeunesse. Mais c'est en anglais. Donc voilà. Donc le but, ça va être de finir ça demain et de commencer ça lundi. En sachant que pour aller à ma formation, j'ai pas grand-chose. J'ai un quart d'heure de tramway, aller, un quart d'heure retour. Je vais surtout lire beaucoup. Alors ça dépend si je suis sociable ou pas, si je déjeune avec des gens le midi ou si je déjeune seule et que je lis. Et de toute façon, je lirai le soir à Donf. Et je vois aussi des copines à Nantes qui habitent Nantes. On va aller se boire un verre, j'en profite pour aller voir les bookstagrammeuses de Nantes. Ça va être chouette, il y a 6 librairies à Nantes. Enfin, j'en ai compté 6, mais je pense qu'il y en a plus. Je sais qu'on m'a recommandé Coiffard, les Bien-Aimés, la Talente. Il y en a beaucoup, hein. Je vais essayer d'en faire quelques-unes. Je voudrais faire les machines de Lille également. Et je voudrais faire le musée Jules Verne. Voilà. J'ai vu qu'il y avait le château des Ducs de Bretagne qui a l'air très très beau, mais j'y connais rien dans cette période historique. Donc voilà. Et puis j'ai accès, je crois, au jardin en libre service. Non, en libre accès à la cour et au jardin, je crois. Peut-être en rentrant de ma formation, j'irai peut-être me balader par là-bas. Voilà, donc j'emmène ça en vacances. Enfin, lapsus, non, c'est pour le travail, c'est une formation. Je vais être toute la journée enfermée à bosser sur l'écriture chorégraphique chez les enfants de 4 à 10 ans, qui a l'air passionnant.
Mais voilà, je ne suis pas en vacances du tout. Je bosserai, je lirai le soir. Donc j'emmène ça. C'est quand même deux grands formats. J'ai une petite valise. Et j'avais envie d'en prendre d'autres parce que j'en ai reçu plein, plein, plein de chez Pocket. Ils m'ont envoyé toute la rentrée littéraire. Ils sont adorables. Et ils m'ont envoyé toute la rentrée littéraire avec quelque chose pour mettre, enfin, pour les mettre dedans. Un énorme sac, genre sac de plage, fluo, Pocket. Il est magnifique. Je vais être en retard à mon rendez-vous. C'est pas grave. Hop. Hop. Il est très beau. Et il y avait donc toute la rentrée littéraire de chez Pocket. Avec celui-là, je l'attendais avec impatience. Je suis trop contente qu'il sorte en poche. Ça s'appelle La guerre des bouffons. Ça se passe en 98 à Bondy en Seine-Saint-Denis. Et c'est sur le 9-3, l'éducation dans le 93, les jeunes dans les années 90. Ça me parle à fond, à fond, à fond. Il paraît que c'est drôle, c'est ma libraire qui m'a dit ça et j'ai très hâte de le lire. Donc celui-là, je l'ai mis dans ma palle. J'avais pas demandé, mais je suis très contente de l'avoir reçu. Merci beaucoup, Pocket. Le feu du milieu de Toufat Moutard. Je ne connais pas du tout. Je vous lis pas les résumés, hein, je vous fais confiance. La mémoire de l'eau de Miranda Collet-Hiller. J'aime bien la couverture, elle est très jolie. Très printanière campagnarde. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet Titanic de Lily Nissen. Je pense que vous avez déjà vu passer tous ces bouquins sur Instagram parce qu'on est plusieurs à avoir reçu ce colis. Donc je ne veux pas m'étendre trop, mais voilà, ça c'est un tout petit, l'effet Titanic. Celui-là aussi me tente grave. Nous les Allemands de Alexander Starit. Je ne le connaissais pas du tout. Et en fait, c'est la Deuxième Guerre mondiale du point de vue d'un Allemand. Ça a l'air très intéressant. Donc celui-là aussi, il est dans ma palle. Et celui-là, il est bonus. Parce que mon libraire l'avait adoré quand il était sorti l'an dernier, un grand format chez Les Escales, il me semble. Une terrible délicatesse de Joe Browning Rowe. Ça se passe en 66 au Pays de Galles. C'est sur le tremblement de terre qui a... Non, un glissement de terrain qui vient d'emporter toute une ville minière et une centaine d'enfants. Voilà, ça a l'air très intéressant celui-là aussi. Et j'ai reçu hier d'autres paquets Pocket. Le dernier Yasmina Kadra, Les Vertueux, qui est assez gros. Peine des faunes de Annie Lulu. La couverture est super belle. Très très beau. Et il a eu le prix du roman d'écologie. Et celui-là aussi, je vais le mettre dans ma page, je pense. Ce qui reste de Jean Michelin. Parce qu'il avait fait pas mal de bruit à sa sortie aussi. Qu'il est très court. Et il me titillait un peu. Et puis là, j'ai reçu, donc j'ai plus de choix. Donc voilà. Ça, c'est pour Pocket. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Vous voyez ce que c'est? C'est le Cherche Midi. Parce qu'avec le Cherche Midi et Estelle, nous organisons un événement autour des titres Cozy Mystery du Cherche Midi. On a trop hâte, ça se passe au mois d'octobre dans Paris et les inscriptions sont closes malheureusement. Ça y est, les participantes ont été sélectionnées par tirage au sort. Et ça va tourner surtout aussi autour du premier roman de Kate Watson qui s'appelle Les Trois Dahlias. Enfin, la saga s'appelle Les Trois Dahlias. Le tome 1 s'appelle Meurtre à Alder... J'arrive jamais à le dire. Aldermere House. Aldermere House. Il est assez gros, mais pour l'avoir déjà lu, je peux vous dire qu'il se lit vraiment bien. Très vite, il est génial. J'adore ce format. Format Anna Svensson. Petit format. Il fait plus de 530 pages, mais il se lit vite. Je vous promets qu'il se lit vite. Il est génial. C'est autour de trois femmes qui ont joué le rôle de Dahlia Lively, voilà, dans une série télé très connue. Il y a vraiment un côté Hercule Poirot, Miss Marple, Agatha Christie. Bel hommage et c'était une très belle lecture. Et avec, j'ai reçu des dahlias, oui. Alors, je suis nulle, j'ai pas du tout la main verte, mais c'est pas grave. Je vais l'ouvrir tout doucement, pas là, parce que je pense que j'en ai partout. Mais je vous montrerai éventuellement ça. Et dedans, il y avait des petites... Je vais m'en servir pour faire ma petite photo Insta. Et voilà, merci beaucoup Benoît, mais tu le sais déjà. Oh, j'en ai mis partout! Je savais que j'allais en mettre partout! Purée! Oh bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est Les Trois Dahlias. Il sort le 28 septembre, donc pas tout de suite. Et écrit numéro 1 des ventes en Angleterre, ça ne m'étonne pas. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà beaucoup. Je vous retrouverai à Nantes, peut-être dans le train. Et je ferai de toute façon je vais vlogger à Nantes. Hein. Je vais vlogger, je vous montrerai un petit peu tout. Et puis, je refermerai ce vlog en début de semaine pour en ouvrir un autre, qui sera donc la dernière semaine des vacances. On y arrive, c'est long de moi. Nous sommes dimanche matin et je viens vous faire un petit point parce que je me rends compte que je ne vous ai pas vraiment développé mes lectures de la rentrée littéraire. Presque tout a été posté quand vous verrez cette vidéo.
sur Instagram au niveau de mes chroniques. Mais quand je les lisais, je vous en parlais, mais je ne pouvais pas trop en parler parce que je ne voulais pas trop vous influencer. Maintenant, je peux parce qu'ils sont tous sortis. Je vais faire vite, mais je vais essayer de mettre les bons mots. J'ai commencé la rentrée littéraire avec William de Stéphanie Hochet, publié chez Rivage. C'est une lecture que j'ai beaucoup aimée, qui est très bien écrite, qui parle des années perdues de Shakespeare, où Stéphanie Hochet s'insère dans le récit parce qu'elle a eu une rencontre avec Shakespeare un peu tout au long de sa vie. Il y a eu des coïncidences, il y a eu des choses qui sont passées. Et du coup, on apprend non seulement à connaître Shakespeare, mais à connaître aussi l'autrice et l'influence de Shakespeare par rapport à elle. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Il est assez court, c'est pour ça que j'ai lu en premier. Et c'est très bien écrit, mais il m'a peut-être manqué quelque chose. Alors, je crois jamais lu Shakespeare, donc c'est peut-être ça qui m'a manqué, en fait. Mais je vous le recommande parce qu'il est intéressant, parce qu'il est bien écrit, parce que, franchement, il mange pas de pain et il vaut le coup. Voilà, il vaut le coup, il est bien écrit. Je les prends pas dans l'ordre, hein. Le pavillon des oiseaux de Clélia Rinucci, qui était une bonne lecture, une très belle lecture, très bien écrit, historiquement très intéressant, mais, encore une fois, j'ai eu des lacunes, parce que la période des Médicis, tout ça à Rome, je n'y connais rien, et que j'aurais voulu avoir peut-être des notes en bas de page sur des repères historiques, peut-être des repères historiques à la fin du livre, peut-être un tout petit peu plus d'accès à cette histoire avec un grand H, parce que en fait là on est sur, je vous le fais rapide, un triangle amoureux. Donc j'ai vu ce triangle amoureux, je comprends, j'ai eu beaucoup d'empathie pour Clélia, mais il m'a manqué la dimension historique et je pense que je suis passée à côté de beaucoup de choses parce que je pense qu'elle a fait pas mal de recherches historiques aussi sur ce bouquin, enfin sur cette période-là pour écrire ce livre-là. Donc je pense que c'est un livre vraiment intéressant à lire, mais peut-être un petit peu exigeant, pour moi en tout cas. Belle, très belle surprise, La mère de la tranquillité de Emily St. John Bendel, publiée aussi chez Rivage, qui est ma plus belle surprise de la rentrée littéraire. J'avais écouté Station Eleven, que j'avais vraiment beaucoup aimé. J'ai pas lu L'Hôtel de Verre, je veux le lire, et là on est dans un voyage dans le temps, entre 1912 et 2401, où il va y avoir un leitmotiv entre tous les personnages. C'est une mélodie de violon qu'on entend, et juste après il y a une espèce de crash, un truc. Et on arrive dans une autre période, tout ça. Et il y a un lien, malgré tout, entre les personnages, entre les époques. Et la fin est tellement bien faite. Elle relie tout. J'ai trouvé la structure parfaite. J'ai été très surprise, très agréablement surprise. Les post-it que j'ai mis, c'est des post-it spoil, en fait. Parce que c'est des passages clés, donc je ne vais pas vous les lire. Mais c'est bien écrit, c'est peut-être un peu lent au début. Et puis finalement, quand on arrive vraiment au cœur du sujet, on est à fond dans le bouquin. Je vous le recommande absolument, lisez-le. Ça fait partie de la littérature de l'imaginaire de Rivage, parce qu'il y a un peu de fantastique, bien sûr, mais il est très subtil et parfaitement crédible. Alors, on va aller dans quelque chose que j'ai beaucoup aimé aussi, Du même sang, de Dinah Miller. Je vous ai déjà parlé de ce roman, je ne vais pas m'attarder dessus. On suit trois femmes, trois générations différentes de la ségrégation à nos jours. Trois femmes noires dans les États-Unis. On sait ce qui s'est passé aux États-Unis avec les Noirs. Et c'était très bien écrit, c'était très beau, c'était passionnant. J'ai beaucoup aimé, donc je ne reviens pas dessus. Maintenant, on fait un petit peu une unpopular opinion. J'ai abandonné L'épaisseur d'un cheveu de Claire Berest. Parce que Claire Berest prend le parti de créer une histoire autour des violences conjugales, autour d'un féminicide qui va avoir lieu. Donc, très bien, super, écrit par une femme intelligente, cultivée, qui écrit bien, qui a écrit plein de trucs. Super, j'étais trop intéressée. Et là, on suit le point de vue d'un homme, du mari, en fait, du mari ou du copain, je sais pas quoi, de cette femme-là, qui va être assassinée. Ce mec est imbuvable. Je me dis, bon, ok, allez, j'avance, et je me dis, mais, en fait, ça va être que son point de vue. Et je demande à Magda, qui l'a lu, qui me dit oui, c'est que son point de vue. Ah, j'ai fait non. J'ai pas envie de passer 280 pages avec un mec imbuvable. Même si ça parle des féminicides, finalement, il n'y a que son point de vue. Et peut-être que ce mec, on va finir par avoir de l'empathie pour lui. Et j'ai pas du tout envie d'avoir de l'empathie pour un mec qui va commettre un féminicide, en fait. Donc j'ai abandonné, j'ai tenu 50 pages. Et j'ai pas voulu aller plus loin. Je n'ai pas. Non, j'ai pas eu envie, vraiment. Donc peut-être peut vous intéresser. Sachez qu'il n'y a qu'un point de vue, celui du mec. Voilà, je n'ai pas voulu m'infliger ça, personnellement.
Et on finit avec le diplôme de Amaury Barthet. Gros sujet à débat. Je vous fais cette vidéo maintenant parce que je viens de voir la chronique de Louise, l'ivresse de lire des livres sur YouTube, et elle en parle extrêmement bien. On a la même opinion sur ce livre-là. On a été très dérangés par ce livre. On n'a pas du tout aimé. Et j'étais curieuse parce que ça parle de diplôme, d'inégalité sociale. Trop bien. Mais c'est écrit par un homme blanc qui a réussi dans la vie, qui est beau gosse, quoi, qui se vendra très bien, probablement, qui est le coup de cœur Albin Michel, tant mieux, parce qu'il pourra sûrement vous plaire. Mais moi, j'ai trouvé ça dérangeant, parce que c'est bourré de clichés sur les inégalités sociales, sur le 93, sur la banlieue, sur les jeunes qui... Voilà, bah, de toute façon, ils n'ont pas d'issue, hein. Voilà, ils sont perdus d'avance. Putain. J'ai vécu toute ma vie dans le 93. Je peux pas supporter ça. Je peux pas entendre ça. Donc non, j'avais pas. Dès le départ, j'étais très dérangée. Puis il fait la rencontre, donc le gars est prof, il est Guillaume, il est prof d'histoire, en banlieue, désespéré par ses élèves, bien sûr. Et il rencontre Nadia. Nadia, la pauvre petite jeune fille qui est vendeuse chez Zara, mais qui a un potentiel culturel élevé, et qui malheureusement n'a pas eu de diplôme, donc elle est vendeuse chez Zara. Bon, ok. Et en fait, il va voler à son secours pour la faire monter un petit peu, la faire upgrader un petit peu dans la société. Donc ça fait un peu le beau chevalier blanc qui vient sauver la princesse maghrébine. J'ai trouvé ça tellement cliché, tellement dommage. Voilà, donc j'ai lu des très bonnes critiques, et probablement qu'il pourra plaire à beaucoup de gens, mais moi il m'a vraiment dérangée, parce que dans le genre des inégalités sociales et des bouquins sur l'éducation, sur tout ça, il y en a quelques-uns qui sont sortis à la rentrée, et je serais curieuse d'en lire d'autres, parce que là, j'ai perdu mon temps. Je m'attendais à une morale, à un retournement de situation, à un truc qui allait faire que ce Guillaume-là allait en prendre plein la tronche. J'ai pas eu tout à fait ça. Voilà, je veux pas vous en divulguer plus, mais faites-vous votre opinion si vous voulez, empruntez-le si vous n'avez pas envie de l'acheter. Voilà. Donc, rentrée littéraire, vraiment comme ça. Mais j'ai vu beaucoup d'autres titres qui sont sortis depuis et qui me tentent beaucoup. Les conditions idéales de je sais plus qui, chez Gallimard. J'ai reçu La guerre des bouffons, inégalité sociale, ça se passe à Bondy dans 93, en 98. Et La fascination qui était sortie avant la rentrée littéraire, que j'avais envie de lire. Voilà, donc il y en a pas mal de la rentrée là qui sont sortis, dont j'ai vu les critiques que je n'avais pas vu passer avant, que je trouve intéressant. Je suis persuadée qu'il y a vraiment des bons titres dans cette rentrée. Mais je ferai peut-être un peu plus attention l'année prochaine pour demander des titres. Peut-être que j'en demanderai pas. Je vais en recevoir parce que, voilà, j'en reçois, c'est adorable. Mais peut-être que je me ferai une opinion plus arrêtée avant vraiment de choisir. Et en même temps, c'est difficile parce que quand tu vois la présentation des auteurs, ils en parlent tellement bien qu'on a envie de les lire. Donc je suis contente finalement d'avoir lu celui-là parce que, au moins, je me suis fait mon opinion. J'ai pas du tout aimé, voilà. Mais je me dis, merde, j'aurais pu peut-être en lire un autre qui était mieux. Voilà, bref. Voilà mon petit débrief rentrée littéraire. J'espère que ça va. Je vous reprends ce soir. Je prends le train à Nantes. Enfin, pour aller à Nantes. Et j'emmène Anne avec moi. J'ai pas beaucoup avancé hier. J'ai lu 70 pages. Mais c'était tellement bien. Je suis arrivée à Nantes, on est dimanche soir, je me fais un petit thé, il y a des jolis petits mugs dans ma chambre, je suis bien contente et bien gâtée. Je me suis pris mon petit thé vert dans mon truc cosmétique là. Je suis contente, je peux me faire un petit thé le matin, un petit thé le soir, c'est chouette. Alors dans le train, j'ai lu Anne, je suis à la page 211, il me reste 120 pages. Je vais essayer de le finir ce soir, mais je ne garantis rien parce que je me connais, je sais que... je lis 30 pages et puis je regarde Insta, et puis je relis 30 pages, je regarde YouTube, tout ça, tout ça. Et du coup, je ne suis pas sûre du tout de le terminer ce soir. C'est peut-être le tome, pour l'instant, auquel j'accroche le moins. Alors, le tome précédent, c'était plutôt un roman épistolaire. Là, on est avec Anne, elle est dans sa maison.
je dis rien. Mais voilà, elle est adulte, elle a sa vie. On va découvrir de nouveaux personnages, très intéressants. Vous voyez qu'elle est dans un endroit où il y a plutôt de la mer, plutôt un phare, tout ça. Donc voilà, donc il y a toute cette ambiance un petit peu maritime, n'est-ce pas? Très bien, toujours parfait. Avec des phrases très belles, très poétiques. Une Anne toujours aussi spontanée qui veut être copine avec tout le monde. Ça, j'aime beaucoup, ça, il n'y a pas de souci. Néanmoins, voilà, j'accroche peut-être un peu moins à ce récit, peut-être un peu moins au personnage qu'elle rencontre, même si il va se passer un truc dans sa vie, à Anne, un événement tragique. Et du coup, à partir de là, il y a un espèce de nouvel élan, avec une personne notamment, qui s'appelle Leslie, ça je peux vous le dire. Et voilà, j'en suis là. Donc, j'attends de voir la suite. Il me reste 120 pages, donc je ne sais pas trop ce que ça réserve, mais j'ai vu comme une cloche. J'ai regardé à la fin, parce qu'il y a toujours les petits trucs de Monsieur Toussaint d'ouverture sur le papier, les gardes et tout. Et je regarde et je vois la table des matières et je vois le titre du dernier chapitre. Ah, et je fais ah, d'accord, voilà. C'est pas grave, c'est pas un gros spoil, mais bon. Pas très grave. Donc je vais lire tout de suite avec mon petit thé. Et demain matin, ma formation commence à 10h seulement. Et me connaissant, je pense que je serai debout à 7h. Donc il n'est pas impossible que je lise aussi un petit peu demain matin. Et comme ça, j'ai hâte d'attaquer aussi Pages & Co. Là, j'ai regardé un petit peu les vlogs en retard. J'ai un retard monstrueux sur les vlogs parce que je les regarde en général quand je suis toute seule chez moi, ce qui n'arrive pas pendant les vacances. Donc j'ai genre 30 vidéos à rattraper en fait. Donc là, j'en ai rattrapé un petit peu. Je regarde pas tout. Parce qu'il y a des choses, des bouquins qui m'intéressent pas forcément, que je connais pas, donc je sélectionne un peu plus. Et là, j'ai regardé la vidéo de Anna de Autonalis, qui est allée à Haworth, dans le musée des Sœurs Bonté. Et les images sont tellement belles! Voilà, donc cherchez. C'est Anna, mes carnets littéraires, je crois. Voilà. Elle a mis des images de tout son périple dans le Yorkshire, à Haworth, tout ça, c'est tellement beau, les musiques sont bien choisies, c'est du piano, c'est beau, ça donne envie de lire les Sœurs Brontë, de lire de la littérature victorienne, et j'ai trop envie, voilà, de lire les Sœurs Brontë. Mais c'est pas au programme, voilà, donc sur ces bonnes paroles, je vais aller lire, et ben, alors, je me mets en fond, un truc qui m'arrive jamais, je ne lis jamais avec la musique, mais il y a une booktubeuse américaine, je pense, qui s'appelle Morgan Long, Long, qui fait beaucoup de vidéos YouTube, toujours très cosy, très mignonne, elle est toute mignonne, elle doit avoir 25 ans, elle est toute blonde, elle fait très Anne, bon, Anne et Rousse, on est d'accord, mais elle fait très cosy, printanière et tout, automnale aussi, enfin j'adore, c'est trop mignon, je comprends pas la moitié de ce qu'elle dit, mais c'est pas grave, et elle fait des vidéos Read With Me, de 1 heure, avec des playlists, et je me suis mis ça dans les oreilles dans le train, j'ai ouvert mon bouquin et j'ai dit c'est parfait. Donc je vais refaire ça là ce soir en lisant Anne. Et puis je vous en reparle demain, je pense, parce que je l'aurai fini. Sauf si je veux faire un update là à 22h30, selon si je finis ou pas. Sinon, ce sera demain matin. On est lundi matin et j'ai terminé Anne et sa maison de rêve. Je n'ai pas terminé hier soir. Il me restait 20 pages. J'ai fait non, c'est pas possible. Je l'ai terminé ce matin. Je me suis levée tôt parce que je suis pas chez moi donc je dors pas bien. C'est pas grave, je dormirai mieux ce soir. Et ben en fait, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Il y a toujours l'esprit Anne. Trop mignon, trop spontanée, qu'on adore, quoi, qu'on connaît depuis qu'elle est petite, depuis qu'elle a été adoptée par cette famille particulière de Marilla et Matthew. Et on l'a vu grandir, on l'a vu évoluer. Et là, c'est une femme, il se passe des événements dans sa vie. Ça m'énerve de ne pas pouvoir vous en dire plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler, vraiment, c'est le truc que je ne veux pas faire. Mais bon, voilà, j'aimerais vous parler de certaines choses. À partir de la moitié du bouquin, il se passe un événement, enfin un peu plus de la moitié, il se passe un événement. Hier soir, j'ai lu, j'ai fait non! Je ne m'attendais pas du tout à ce twist-là. Il se passe un événement avec Leslie et quelqu'un qui s'appelle Dick. Voilà, je ne vous en dis pas plus, mais ceux qui l'ont lu sauront de quoi je parle. Et il y a cet événement-là. Déjà, j'ai été réveillée par ce truc en me disant waouh, ok, très bien, d'accord, je ne m'attendais pas à ça. Et puis s'ensuit un déroulé d'action en lien avec cet événement-là. Et il va y avoir l'écriture d'un livre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. L'écriture d'un livre sur la vie d'un homme. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc ça va se faire. Et en même temps, il y a un dénouement en lien avec ça qui est hyper touchant.
Et quand ça arrive, je me dis, oh non. Et voilà, donc c'est dur de parler d'un livre sans rien dire. Mais voilà, j'ai trouvé finalement ce tome vachement émouvant, avec des personnages secondaires très touchants, très beaux intérieurement. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est des personnages qu'on a envie d'aimer, qu'on a envie d'apprendre à connaître, qu'on a envie de passer du temps avec. À travers Anne, à travers ses propos, à travers ses yeux, parce qu'elle est toujours émerveillée de tout et qu'elle est toujours positive et bienveillante avec tout le monde. Et elle est très sensible à beaucoup de choses qui parfois ne la concernent pas, parfois la concernent à juste titre. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ce tome. Voilà. Donc le prochain, c'est Anne d'Ingleside. Ensuite, il y aura La Vallée arc-en-ciel, Rilla Marilla et Les Chroniques d'Avonlea, qui est en fait une espèce de spin-off, je crois, avec des, je vais pas dire des nouvelles, mais peut-être des chapitres qui concernent des personnages, je crois, de Avonlea. Donc là, Anne d'Ingleside, je pense qu'on suit encore Anne. La Vallée arc-en-ciel, je ne sais pas si on suit Anne. Rilla Marilla, alors Marilla, c'est celle qui a adopté Anne avec son frère Mathieu. Donc, est-ce que c'est l'histoire de Marilla? Je ne sais pas. Et donc, les Chroniques d'Avonlea. Monsieur Toussaint Louverture va publier aussi une autre saga de l'autrice qui s'appelle. Est-ce que c'est Émilie quelque chose? Je ne sais plus. Mais bon, il y a une autre saga qui est visiblement un peu plus jeunesse. Je m'avance vraiment beaucoup, hein, j'en sais rien en vrai, mais j'ai l'impression que c'est ça. En tout cas, je vais être bien triste de quitter Anne, je pense, parce qu'elle m'aura suivie pendant pas mal de temps. Le premier est sorti quand? Le premier, je l'ai acheté presque tout de suite. Octobre 2020, ouais. J'ai dû le lire en novembre, un truc comme ça, je crois. Bon, ça va faire 3 ans que je lis Anne, et c'est pas fini, parce que je vais pas lire le reste tout de suite, hein. Donc, je pense que ça me fera les 4 qui restent. Ça va bien me faire 4, 3 ans encore, je pense. 2 ans. Mais voilà, en tout cas, c'est. Ça va faire bizarre de la quitter, en tout cas. J'aime beaucoup. Voilà. Je commence ma nouvelle lecture en anglais, Pages & Co. Et je galère à donf pour l'instant. Je l'ai mis, enfin, j'ai les 10% sur Gloss, les 10 premiers pourcents sur Gloss. Et l'avantage de Gloss, c'est que quand tu cliques sur une phrase, bah, tu peux soit la surligner, soit si tu appuies plus longtemps, tu n'appuies que sur un mot et tu peux avoir soit la traduction, soit la définition, enfin voilà, un truc comme ça. Et si tu cliques longtemps sur une phrase entière, quand c'est en anglais, tu as la traduction en français. Et ça n'a pas de prix. Parce que vraiment, je galère. C'est du jeunesse, hein. Mais y a des. Je manque cruellement de vocabulaire. Et une prof d'anglais m'avait dit un jour, c'est pas grave si dans la phrase tu comprends pas tout, si tu as les mots-clés de la phrase, au moins tu comprends le sens. Oui, mais je voudrais tout comprendre. Parce que c'est frustrant, parce que je veux tout savoir, donc j'appuie plein de fois sur les phrases à chaque fois sur Gloss pour savoir. Mais bon, voilà. Il est sur ma liseuse, mais je crois que sur ma liseuse, je ne peux appuyer que sur un mot pour avoir sa traduction. Voilà, tant pis. Voilà, je suis à la page 10. Hein. Il en reste 390 à lire. J'espère vraiment lire 5 pages aujourd'hui. En sachant que c'est écrit gros. Voilà, c'est du jeunesse, hein, donc ça peut aller vite. Je pense qu'une fois que je suis dedans, je peux aller un peu plus vite. Je me rappelle que dans A Place Called Perfect, ça avait été comme ça. En fait, je me mettais dedans et il me fallait quelques pages pour me remettre et puis après, ça allait tout seul. Mais il faut pas que je me contente à 4 pages par 4 pages, surtout pas. Il faut que je lise d'un bloc. Donc là, il est quelle heure? Il est 8h05. Je vais aller manger. Je vais pas lire sur le téléphone là pour aller déjeuner. Mais. Le trajet, je vais le faire à pied parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de tram à Nantes, il y a des travaux. Donc je vais essayer de le faire à pied et puis je verrai les autres jours, je discuterai avec les formateurs et tout ça. Mais là, je vais y aller à pied, donc je vais peut-être écouter les somnambules et puis faire des photos et vlogger. Et les autres jours, je verrai si j'y vais en tram. Mais voilà, je ne peux pas compter sur les trajets pour vraiment lire d'un bloc. Peut-être ce midi, sinon beaucoup ce soir, mais 100 pages d'un coup en VO ce soir, ça va être dur. Donc je sais pas, je vais essayer de l'avancer là, je pars dans 1 heure à peu près. Donc je vais voir. Mais en tout cas, je suis contente de m'être mis 4 jours avec juste ce bouquin-là en anglais, parce que sans ça, je l'aurais jamais fait. Si je le mets en parallèle d'une autre lecture, je sais que c'est. Je mets 6 mois à lire, quoi. Là, au moins, je ne lis que ça. Quitte à décaler mon planning, parce que je commence les mauvaises épouses vendredi, je peux le décaler à lundi, si je veux.
parce que je reprends le boulot, parce que mon fils retourne à l'école, mon conjoint retourne au boulot, et que moi je reste à la maison parce que je ne reprends pas le boulot tout de suite. Donc je vais avoir du temps, donc c'est pas un problème. Donc je peux passer un peu plus de temps sur ça, en sachant que dans mon planning de lecture, j'ai mis les trois mousquetaires sur presque 10 jours. Donc, il y a moyen de moyenner. Voilà, je vous reprends plus tard. Je vous reprends un peu orange, hein. Si j'éteins, vous ne voyez plus. Je suis rentrée, il est 19h, il est 20h. J'ai mangé, désolée pour la lumière un petit peu crade, mais voilà, j'ai pas le choix. Alors, je suis fatiguée parce que j'ai beaucoup travaillé aujourd'hui, parce que j'ai eu beaucoup de théories, j'ai dû être très concentrée. Et du coup, et ben pour me féliciter, je suis passée en librairie. Voilà, j'en ai fait trois. J'en avais deux en tête. Enfin, on est lundi, il n'y a pas toutes les librairies qui sont ouvertes. C'est pareil logique, parce qu'il y en a beaucoup qui sont ouvertes à partir du mardi. Néanmoins, j'en avais noté deux d'occasion et une. Pas d'occasion. J'avais noté la bouquinerie du centre et la bouquinerie nantaise. Elles sont toutes dans le centre-ville, centre historique, piéton, tout ça. Donc j'ai commencé par la bouquinerie nantaise. Je vous ai mis des images. Où il y avait beaucoup de choix, beaucoup de choses, mais. Voilà, j'avais pas d'envie partie. Enfin, si, j'avais des envies, je savais très bien ce que je voulais acheter. Mais voilà, j'ai pas farfouillé plus que ça en occasion. J'ai juste regardé un petit peu ce qu'ils avaient. Puis je suis allée à la bouquinerie du centre qui était pas dingue. Je pense qu'il faut fouiller. En fait, je crois que je suis pas quelqu'un qui aime fouiller. Bouligner, tout ça. En fait, non, j'aime pas. Donc, j'aime bien les bouquins d'occasion, en très bon état. Sinon, les bouquins neufs. Mais j'essaie quand même d'acheter en occasion. Et je me rends compte que les bouquins que j'ai achetés, pour la majorité, j'aurais pu les acheter d'occasion. Mais bon, voilà! J'ai craqué en neuf. Donc après ces deux bouquineries d'occasion, je suis allée à la librairie Coiffard, qui est une très très belle librairie, où il y a d'ailleurs Joyce Maynard et Jean England en dédicace au mois de septembre. Je trouve ça formidable. Donc si vous êtes à Nantes, ne loupez pas ces dédicaces. Et donc j'arrive dans la librairie et je vois toute la rentrée littéraire dégueulée de partout, des piles de livres partout, partout. Formidable, je regarde tout, je regarde, je cherche, je regarde des titres que j'avais notés, je regarde les résumés, la grosseur du livre, tout ça. Je me balade, un mur entier de Pléiades, magnifique, voilà. Et je me dis, tiens, je vais chercher, en fait, je voulais acheter les trois mousquetaires de Dumas, Blackwater, tome 5 et tome 6, et le dernier, Julien Dufresne-Lamy. Je cherche Dumas. Et puis je cherche, et puis je me dis, tiens, à part en Pléiade, je vois pas de poche, quoi, en fait. Et je regarde bien la librairie et je ne vois pas de poche. Je suis un peu déçue, je me dis, mince, bon, est-ce que c'est moi qui ai bugué, ou est-ce qu'il y a un étage, je regarde, il n'y a pas d'étage. Mais bon, librairie superbe, voilà, grand format de partout, trop bien. Bon, je me dis, bon, bah tant pis, il y en a d'autres, c'est pas grave. Et je demande quand même le Julien Dufresne-Lamy, parce que je me dis, il n'y a peut-être pas de poche, mais il y a peut-être des grands formats, il y a peut-être du jeunesse. Et là, la fille me dit, oui, c'est chez ma collègue en face. Et je me tourne et je vois la deuxième librairie Coiffard, avec tous les poches.
jeunesse, science-fiction, SF, fantasy graphique, tout ce que tu veux. Et là, je meurs, je dégouline d'envie de tout acheter. C'était beau, c'était magnifique. Cette deuxième librairie m'a un petit peu plus convaincue. Je me rends compte que je fonds plus facilement devant les poches, peut-être, en fait. Parce que c'est des titres qui déjà me faisaient envie en grand format pour certains, que j'avais déjà noté, que j'avais déjà vu passer. Et le fait de les voir en poche, ils sont encore plus accessibles. Donc j'ai acheté exactement ce dont j'avais besoin. J'ai donc acheté les trois mousquetaires de Dumas. J'ai cherché. Alors, c'est pour ça aussi que je voulais aller en librairie et que je voulais l'acheter neuf, parce que je sais que c'est un classique et que c'est moins cher maintenant les classiques. Je voulais voir la taille de la police de caractère. Et là, ma foi, c'est pas tout petit. Même folio, c'est pas tout petit. J'ai regardé folio, je me suis dit, oh, ok, bon. Et puis j'ai regardé Pocket, j'ai fait, ok. Je suis arrêtée sur Pocket. Je suis pas allée voir le livre de poche. Je me suis arrêtée chez Pocket et je crois même que Le Comte de Monte-Cristo, je l'ai aussi en Pocket. Voilà, il y a 4,90 pour un pavé de 900 pages. Franchement, ça le fait. Donc j'ai déjà lu Le Comte de Monte-Cristo de Dumas et celui-ci me tentait beaucoup. On se l'est programmé avec Estelle en septembre. Je l'ai mis sur, je vous le disais, un peu plus d'une semaine. Je pense qu'il est possible que je le lise en moins de temps que ça. On va voir. Je vais également le prendre sur liseuse parce que ça pèse son poids quand même. Mais voilà, j'ai les trois mousquetaires. Il était prévu dans mon planning. Autre achat prévu dans mon planning de septembre. Blackwater, tome 5 et 6. Donc la suite et la fin de cette saga que j'ai beaucoup aimée. Quand est-ce que j'ai lu le 4? Oh, mais je me rappelle pas. Si, je me rappelle d'une armoire. Ça vous parle vachement. D'une armoire. Et du coup, voilà, c'est la suite et la fin. Je me les suis mis aussi sur quelques jours à la suite. Je pense que je vais lire le 5 et le 6. À la suite, parce que sans ça, j'arriverai jamais à terminer cette saga. Et je veux la finir avant la fin de l'année, parce que ça fait quand même un an que je suis dessus, et qu'il était temps que je termine cette saga. Voilà, ils sont toujours aussi beaux, magnifiques. Et je me suis donc procuré également le dernier, Julien Dufresne, l'ami, trois fois rien. C'est chez Actes Sud Jeunesse, c'est de la littérature jeunesse. Et ça fait 220 pages. Voilà, je peux me le bouffer en un trajet en train si je veux. Jeudi soir, pour cela, il faut que j'ai terminé Pages & Co. et c'est pas gagné. Je n'ai lu que 48 pages. En fait, c'est pas mal, 48 pages, parce que je l'ai commencé ce matin. En sachant que j'ai lu, alors je l'ai pris sur liseuse, j'ai lu pour aller à ma formation, j'y suis allée à pied finalement, une demi-heure. Et pour revenir de ma formation, bon, j'ai un peu moins lu, mais dans ce temps-là, j'ai lu 48 pages. Donc, je suis quand même contente. Là, il est 8h, j'ai plus rien à faire, j'ai mangé, je vais lire, je ne vais faire que lire. Je vais peut-être me remettre une petite musique en fond, parce que ma foi, ça passe très très bien. Et peut-être une petite musique fantasy, tout ça. Et je vais essayer de l'avancer jusqu'à la page 100. Voilà. 100 pages par jour, ça serait vraiment cool. Et je suis sûre que c'est possible, parce qu'il y a des illustrations, parce que c'est écrit gros, je suis persuadée que c'est possible. Et en plus, c'est le chapitre 10, voilà. Je suis au chapitre 4. 4. Donc c'est possible. Donc je vais arrêter de parler. Et si, chez Coiffard aussi, j'ai pris ça. C'est le catalogue spécial Mississippi. Il y a beaucoup de titres, un été autour du Mississippi. Il y a beaucoup de titres en lien avec le Mississippi. Ils ont fait tout un présentoir. C'était très joli. Depuis, j'ai Tom Sawyer dans la tête. Voilà. Parce qu'il parlait de Mark Twain. Donc j'ai le générique de Tom Sawyer dans la tête. Et vous aussi, vous l'avez. Voilà. Il y a Huckleberry Finn aussi. J'ai jamais lu Mark Twain. Ni. Comment il s'appelle? Eh ben oui, Mark Twain. Ni Tom Sawyer, ni Huckleberry Finn. Mais je pense que ça fait partie des classiques de la littérature américaine qu'il faut lire. Voilà. Ah, ça, celui-là, je l'ai. La mélancolie de celui qui vise juste. C'est chez Monsieur Toussaint Louverture. Je l'ai acheté un peu pour la couverture et complètement à l'aveugle. Parce que. Je vais vous lire le résumé. À Attrape-Flèche, une petite bourgade du Mississippi en plein cœur du Bayou, les habitants vivent à peu près comme le reste de la planète. Il y a ceux qui rêvent de percer dans le show business, mais finissent emprisonnés par le shérif Chisholm. Il y a Monsieur Ranet, qui tire sur le vieux frigo de sa cuisine et son fils Hydro, qui adore les tartes aux pêches. Il y a aussi Morgane, l'as de la gâchette, ou encore le prince des ténèbres,
thanatopracteur aux déclamations théâtrales. Mais voilà qu'un soir, deux gentils enfants de passage sont abattus d'une balle en pleine tête, provoquant un séisme au sein de la bourgade. Lewis Nordan signe un texte à l'atmosphère unique où les fêlures, l'humour et l'humanité affleurent. Et je crois que ce n'est pas un texte récent. Je crois que c'est un ancien texte. Alors, en fait, non, vous ne voyez pas bien là. Mais la couverture est en deux parties. Il y a cette partie-là et la petite partie qui est là. Et cette partie-là s'enlève. Donc là, on a une couverture un peu comme ça, en hardback. Pas aussi belle, mais je l'ai acheté complètement à l'aveugle en me disant « je vais le lire, je vais le lire ». Donc il n'est pas dans ma pale officielle, il est dans la pale officieuse post-2023. Voilà, la couleur des sentiments, c'est lu Tim Gautreau, je ne connais pas, mais j'aime beaucoup les couvertures. Donatarte, j'aimerais bien lire Le Maître des Illusions un jour. Et je sais que Séverine, elle fait une lecture commune en septembre sur un Donatarte. Et j'ai bien envie de lire Le Maître des Illusions. Il n'est pas du tout prévu, il n'est même pas dans la wishlist, mais un jour viendra, je lirai probablement Donatarte. Faulkner, je n'ai jamais lu Faulkner, mais Le Bruit et la Fureur, j'en entends beaucoup parler. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais c'est un classique. La Moisson Funèbre, ouais, Le Chant des Revenants, non, j'ai pas trop envie. Mississippi de Hilary Jordan. Une étincelle de vie de Jodi Picou, qui a l'air très 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 bien. Ah, c'est dans le Mississippi du coup, ok. Sur l'avortement aux États-Unis. C'est le Jodi Picou qui me tente le plus après celui que j'ai lu, c'était Mille Petits Riens, qui était excellent. Si vous n'avez pas lu ce bouquin, lisez-le sur les Noirs aux États-Unis. Ah, c'était génial, c'était génialissime. Il est gros, mais il se lit tout seul. Il est bouleversant, vraiment, il est... Ah, il était trop trop bien ce bouquin, génial, voilà. Ensuite, Tennessee Williams, très connu je pense. Plein de trucs. Ah, soit celui-là je l'ai. Non, c'est le... Oui, voilà. Ernest G. Gaines, autobiographie de Miss Jane Pittman. Très intéressant sur la guerre de sécession et les droits civiques. Aussi, donc il en a écrit d'autres, lui. Dites-leur que je suis un homme. Ça, je l'ai eu, c'est Estelle qui m'a filé. Et du coup, il est dans ma pâle officieuse aussi. Black Boy de Richard Wright, qui me tente aussi beaucoup. Qui est dans ma wishlist, d'ailleurs. Et puis, voilà, il y en a plein. Mississippi dans la peau aussi. Oh, trop de choses. J'ai eu... Ah, Miss Joséphine aussi. Il est sorti l'année dernière, celui-là. John Grisham, La Sentence... Ah, pourquoi ça me dit quelque chose, La Sentence? Je sais plus. Bref. Landfall, de Hélène Urbani, qui était sortie aussi, qui parlait de l'ouragan Katrina. Carnaval, de Ray Célestin, qui était trop bien. J'ai eu la chance d'aller dans le Mississippi, à New Orleans. J'ai fait Nashville, Memphis et New Orleans. Je suis allée dans le Bayou, je suis allée à... Ah! Comment ça s'appelle cette plantation? Oak Alley. J'ai vu des choses incroyables, vraiment incroyables. Et du coup, je me dis, si je lis ces bouquins-là, j'aurai ces images-là, et ça n'a pas de prix. Et lisez de la littérature américaine sur le Bayou, sur la Nouvelle-Orléans, c'est musical, c'est festif, c'est historiquement hyper intéressant. C'est trop bien. Voilà. R.J. Lurie. Ah, R.J. Lurie. Il a écrit sur le Mississippi. Bon, j'en ai deux autres à l'air de lui, donc on va attendre un petit peu. Vous ne voyez pas hein, ce que je vous montre, mais faites-moi confiance. Ah, Blackwood de Michael Faris Smith. Je l'avais lu, il était sorti chez Sonatine et il est sorti chez 10-18. Très intéressant, très mystérieux. Le chat du bibliothécaire se passe dans le Mississippi. On en a parlé de ce chat qui s'appelle Diesel. Qui a l'air trop intéressant. C'est un cozy mystery. Voilà, il y a la surgie. Oh là là, il y a... Ah, sur la musique. Oh là là, Muddy Waters. New Orleans, bien sûr. Mississippi Blues, qui me tente beaucoup, que j'avais vu passer au salon. Un salon de bouquins indépendants qui s'appelait, je sais plus, au Palais des Femmes. Je vous avais montré des images aussi, je crois. Et là, ça a l'air trop bien. Ça a l'air trop bien. Bah, Jackson aussi, j'ai fait. Voilà, Memphis, Jackson. J'ai vu le motel Lorraine, qui est un musée maintenant, qui est collé au musée des droits civiques. Et en fait, on finit le musée des droits civiques dans la chambre, devant la chambre de là où Martin Luther King a été assassiné, en fait. Très émouvant, voilà. Mais si vous allez dans le Mississippi, visitez le musée des droits civiques, c'est très intéressant. Voilà. Deep Blue, je ne connais pas Mississippi. Bref.
Voilà, des lectures New Orleans. Oui, la Nouvelle-Orléans, oui. Voilà, plein de trucs, trop bien. Voilà. Si vous êtes à Nantes, n'hésitez pas à prendre ce petit chose-là. Et ça sera très intéressant. Voilà, j'ai parlé depuis très longtemps, beaucoup trop longtemps. Je vais aller lire, sinon je vais jamais réussir à arriver jusqu'à la page 100. Et je vous retrouve demain, probablement. Demain, j'aurai pas grand-chose à vous dire parce que j'aurai rien acheté. Je n'achète plus rien jusqu'au 1er octobre. C'est terminé. Là, le but, ça va être de faire descendre. Là, j'étais donc à 20 et je suis à 19 puisque j'ai enlevé Pages & Co. de ma palle. Et le prochain que j'enlève de la palle, c'est normalement Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Ou alors, sur un trajet en train, sur le retour peut-être. J'espère, donc je vais lire. Je tente un autre plan, un peu moins orange, mais vous voyez quand même la lumière, orange. On est mardi matin et je suis trop contente, car comme vous l'avez vu dans mon carnet de lecture, j'ai avancé comme je voulais, même plus Pages & Co, puisque je suis à la page 130. J'ai lu 130 pages d'un livre en anglais hier. Je suis très fière de moi. Alors, c'est du jeunesse, mais néanmoins, il y a du vocabulaire et il faut quand même une certaine adaptabilité pour trouver un rythme dans une langue qui n'est pas la nôtre, et rythme que j'ai trouvé, et je suis très contente. Donc, on suit Tilly, Mathilda, qui vit donc dans la librairie de ses grands-parents, parce que sa mère a disparu, et en fait, elle va découvrir que quand elle ouvre un livre, un personnage de ce livre peut sortir et venir lui parler. Donc, on trouve Anne de Green Gables, on trouve Alice aussi, et d'autres personnages, je vous dis pas lesquels, mais c'est très drôle parce qu'il y a en fait du coup j'étais avec Anne récemment, je suis toujours avec le même marque-page de Anne et je vois Anne dans le bouquin en VO, donc c'est très drôle comme petite coïncidence. Donc voilà, j'aime beaucoup, je vais essayer de lire un petit peu ce matin au petit-déj et en allant bosser à ma formation. Et puis je vous reprendrai ce soir. Je voulais aller au musée Jules Verne, mais c'est super loin, donc j'irai pas. Je vais peut-être aller voir les machines de Lille ce soir. Je finis à 16h30, donc un petit peu plus tôt qu'hier. Donc je pense qu'il y a moyen, mais j'étais crevée hier. Et le fait juste de faire le retour à pied, qui dure presque une demi-heure, vers le centre-ville. Je sais pas, là, du coup, il faudrait que j'aille plutôt vers l'ouest pour aller aux machines. Je vais voir s'il n'y a pas un bus qui peut me rapprocher un petit peu. Et, parce que je veux quand même voir les machines. C'est le truc dont j'ai le plus entendu parler, je crois, à Nantes. Et du coup, au moins voir ça, puis après rentrer. Donc si j'y vais, je vous filme bien entendu et je vous tiens au courant de ma lecture.
Lumière du soir, bonsoir. Nous sommes mardi soir et je suis à la moitié. J'ai même passé la moitié de Pages & Co. Et ça se passe très bien, ma foi. J'aime beaucoup. J'ai lu 220 pages en 2 jours. Je me surprends depuis hier à me dire, c'est bon, je peux lire un livre en VO. 400 pages en 4 jours, c'est faisable. Si j'ai du temps, parce que là, j'ai vraiment du temps. Mais quoique je bosse toute la journée, mais j'ai du temps. Je lis un petit peu le matin sur le trajet. Et je lis sur le trajet l'après-midi. Et puis le soir, dans ma chambre, quoi. Donc, j'ai un peu de temps, effectivement. J'ai pas mon fils avec moi. Donc, je ne suis pas accaparée toutes les 3 minutes 30. Mais c'est vrai que du coup, bah oui, c'est... Je suis dans une performance littéraire anglaise, ma foi, qui me surprend et me satisfait grandement. Voilà, je suis dans les bouquins avec Tilly, c'est génial, le voyage dans les bouquins. Et c'est top, alors je comprends pas tout, effectivement. Mon cerveau a envie d'accélérer, mais je ne comprends pas tout, donc je dois ralentir un petit peu, parce qu'il prend un rythme, en fait, au bout d'un moment. Mais mon manque de vocabulaire me rattrape, donc je suis obligée de ralentir un petit peu mon rythme de lecture, parfois. Voilà, que vous dire d'autre? Je suis donc dans une lecture en VO, et quand je prends mon petit-déj le matin, quand je me réveille le matin, quand je me couche le soir, tout ça, si je veux regarder des vidéos, j'essaie de regarder des vidéos en anglais, histoire de continuer à écouter de l'anglais, en fait, pour continuer à m'imprégner un petit peu de ça. Et j'ai été curieuse de voir plusieurs booktubeurs anglais, américains, tout ça, qui font la tournée des librairies, bien sûr, aux États-Unis, et je me dis, tiens, et si je cherchais des booktubeurs anglais ou américains qui font la tournée des librairies françaises à Paris. Il y en a plein qui font ça. Sauf que ils vont toujours dans les mêmes librairies, à savoir des Abbey Shop et Shakespeare & Co. Donc en fait, ils sont anglais et américains, ils vont à Paris dans des librairies américaines, en fait, anglaises. Quand tu vas à l'étranger, quand je suis allée à Londres, je suis allée dans des librairies anglaises. Dans des librairies, peu importe en fait, mais j'ai pas cherché la librairie française, parce que en fait, concrètement, une librairie française, je peux en trouver à Paris. Donc je vais trouver les mêmes livres, en fait, plus cher même, que si j'étais à Paris, en fait. Donc, d'ailleurs, j'ai acheté ce bouquin-là en Angleterre, à Londres, en février, quand j'y suis allée, et je l'ai payé 8 livres. Je crois que j'ai encore un ticket. Oui, c'est ça, 8 livres. Alors que si je l'avais acheté sur internet, par exemple, je l'aurais peut-être payé plus cher, frais de port, machin, machin. Donc, ça m'étonne. J'étais vraiment surprise, parce que je me suis dit, peut-être qu'ils vont aller à Gibert, peut-être qu'ils vont aller dans des librairies connues, parisiennes, des belles librairies, tout ça. Pas du tout. Pas du tout. Donc, j'étais un peu déçue. Alors, il y en a un qui va chez les bouquinistes en disant qu'il y a beaucoup de livres français et que malheureusement, son niveau de français n'est pas à la hauteur pour lire un livre en français. Mais, ouais, je me rends compte qu'ils sont très... très chauvin au niveau lecture et niveau lieu d'achat de livres. Après, voilà, j'en ai regardé. Concrètement, j'ai tapé French Bookshop, je crois. Bookshop Tour, un truc comme ça. Et je suis tombée sur 5 ou 6 vidéos. Ça fait quand même, voilà, un petit panel. Et j'étais assez étonnée. Donc bref, c'était assez rigolo. Donc j'écoute voilà, des booktubeurs anglais, américains... parler de bouquins. J'en suivais une, je la suis plus parce que c'est vrai que elle poste beaucoup et puis elle parle, elle a un accent, je sais pas si elle est écossaise ou j'en sais rien, mais elle a un accent à couper au couteau. C'est Books and Things. Je la suis pour le Victober notamment parce que c'est elle qui l'organise avec d'autres youtubeuses. Mais n'hésitez pas à me dire si vous suivez des booktubeurs ou booktubeuses anglaises ou américaines. Alors, il y en a plein qui lisent de la romance, de la fantasy, qui parle de TikTok, BookTok, je sais pas quoi, ça m'intéresse pas du tout. Mais je suis curieuse de ceux qui lisent soit des classiques, soit des romans contemporains, soit des romans engagés, des choses comme ça, voilà, historiques, pour avoir leur point de vue aussi, pour entendre en anglais en fait. Parce que je vais vraiment pas m'arrêter là, je pense. Je vais peut-être continuer la saga. J'aimerais continuer la saga, mais j'aimerais aussi, en discutant avec l'une d'entre vous, Sophie, je crois. J'ai oublié, je suis désolée, tu vas peut-être te reconnaître si tu passes par là, avec qui j'avais lu, entre autres, on était un groupe, on avait lu Miss Pamplemousse, Claire, je crois que c'est Claire, elle m'a renvoyé un message en me disant, en fait, tiens, je lis Jenny Colgan, là, en anglais, et c'est vachement abordable, il y a des dialogues, écoute, pourquoi pas, je vais peut-être me lancer dans du Jenny Colgan en anglais.
pourquoi pas. Après tout, je suis pas plus bête qu'une autre, et je pense qu'effectivement, il y a certaines littératures contemporaines qui sont très accessibles. Comme elle me disait, dans les Ginny Colgan, il y a beaucoup de dialogues. La série des books, c'est Bookshop, je crois, justement, la petite librairie du bout du monde, machin truc. J'en ai lu un, donc il ne faudra pas que je lise le même en anglais. Je crois que j'ai eu le tome 1. Ah. La petite librairie des jours heureux, un truc comme ça, je sais plus. J'en chercherai. Mais voilà, je pense que c'est tout à fait abordable. Je ne sais pas combien de pages j'ai fait. Alors, 400 pages d'un jeunesse n'est pas 400 pages d'un roman contemporain. On va peut-être tirer plus sur du 300, voire un peu moins, à la limite. Mais voilà, peut-être aussi Sophie Kinsella. Je me dis que ça peut être pas mal. La confession d'une accro du shopping. J'avais lu ça quand j'avais 20 ans. J'avais adoré cette saga en français. Je ne sais pas si je pourrais la relire en anglais. Parce que est-ce qu'elle est facile, abordable ou... Je ne sais pas. Mais Jenny Colgan, je serais curieuse. Peut-être que je peux me le prendre sur liseuse. Tiens, je vais regarder. Pour voir au moins un extrait. Si je peux avoir le début pour voir un peu le rythme de lecture. Ça peut être pas mal. Voilà. Eh bien, écoutez, il est 21h35. Je vais me mettre au lit avec ça. Dans ma mission du jour, je dois lire encore 40 pages. Ça va. Je vais peut-être m'endormir dessus. Mais c'est possible. Franchement, c'est possible. Franchement, si je lis 40 pages de plus... J'arrive à la page 260. Et il me reste... Ça veut dire qu'il me reste 140 pages pour demain. Oh, je l'aurais lu en 3 jours. Bref, c'est trop bien. Voilà. Bah écoutez, je vous retrouve demain. Alors oui, vous avez vu les machines avant. Je suis allée voir les machines de Lille. Parce qu'on m'en avait beaucoup parlé. J'en avais beaucoup entendu parler. J'ai pas vu l'éléphant parce que... dans la grande allée que j'ai filmée, il y a l'éléphant. En fait, il se balade. À 18h, il y avait une sortie de l'éléphant. Il fallait réserver, c'était complet, tout ça. Moi, je suis arrivée à 17h30. J'ai pas vu l'éléphant, donc je me suis doutée qu'il était peut-être en préparation, j'en sais rien. Donc, je suis allée dans le musée, dans la galerie, en fait, où il y a donc plusieurs animaux articulés, télécommandés. C'était très, très beau, très intéressant. J'ai pas tout vu. J'avais aussi accès, je crois, à une partie atelier qui m'intéressait moins, mais peut-être que j'ai loupé aussi des choses. Bon, c'est pas grave, il était tard. Puis il y a d'autres trucs à faire. Donc voilà, en tout cas, je suis bien contente d'avoir vu les machines de Lille. Si vous ne les avez pas encore vues, eh bien, je vous invite, si vous êtes sur Nantes ou proche, à aller les voir, parce que c'est vraiment très très beau. Et en plus, il y a tout plein d'explications. Il n'y avait pas trop de monde. Et c'est assez drôle au niveau des explications, donc c'est pas mal. Il faut interagir les gens aussi pour télécommander les machines. Et c'est vraiment bien fait. Donc je suis assez contente. Et là, en rentrant, je suis allée dans le square qui est à côté de la gare, voir la statue de Jules Verne. À défaut d'aller au musée, au moins j'ai vu sa statue. Et je lirai d'ailleurs, je me suis programmé un Jules Verne en octobre, je crois. Parce que qui m'a dit, qui m'a parlé de ça? Non, je crois que c'est quand j'ai fait mon tag sur les classiques, où je me suis rendu compte que Jules Verne était cool et que ça faisait longtemps que je n'en avais pas lu. Donc voilà. Ma foi, je vous reprends plus tard. On est mercredi matin, je vous prends quand même un petit peu à la lumière du jour pour que vous voyez qu'il fait presque beau. Il fait beau à Nantes. Il y a un peu de ciel bleu, ça va. Il a plu ce matin. Je me suis fait réveiller par de la pluie qui tombait sur de la tôle à 6h30, mais bon, c'est pas très grave. J'ai lu, bien sûr, j'ai lu, évidemment. Vous le savez, il me reste 100 pages. Je vais le finir aujourd'hui. Je vais lire un bouquin en anglais de 400 pages en 3 jours. Je suis au top de ma forme. Que vous dire? Je conclurai ce vlog ce soir ou demain matin, parce qu'il est déjà très long, j'ai vu. Il fait plus d'une heure, donc c'est cool, hein, mais du coup, il a commencé il y a un petit moment, puisque j'étais encore en vacances et que ça fait un petit moment que je suis rentrée déjà, je l'arrête du coup, soit ce soir, soit demain, comme ça, vu qu'en fait, en fin de semaine, je pourrais pas du tout vlogger, j'ai du monde à la maison, j'ouvrirai un nouveau vlog lundi, comme ça, ça fait vraiment rentrée scolaire, rentrée des vlogs, même si là, je l'ai commencé, ça fait partie quand même des vlogs, des vlogs normaux finalement, je l'ouvrirai lundi, donc voilà, j'espère que vous allez bien. Ce soir je retrouve des copines qui habitent à Nantes, des copines Instagram, que je connais pour la plupart, il y en a que je connais pas, mais ça va être chouette. On va dans des librairies bien sûr, et puis on va manger une petite crêpe après, donc je vais voir avec elles si je vlog un petit peu, sinon je vous raconterai tout ça. Et puis voilà, j'espère que vous ça va, là je vais partir, oh non j'ai le temps, j'ai le temps de lire encore. Donc je vais lire avant de partir à ma formation. Et puis voilà, hier c'était très intéressant, on a bossé sur la musique, le rythme, la pulsation.
la pulsation en danse, travail de la pulsation avec les enfants, dans l'espace, avec des jeux, tout ça, c'était très intéressant. Et aujourd'hui, on devrait travailler sur la poésie, parce que quand on est dans un cours d'éveil, donc les cours d'éveil en danse, c'est 4-6 ans, et initiation, c'est 6-8 ans, on travaille beaucoup avec des images, en fait. Les enfants ont besoin de se représenter les choses, et on travaille beaucoup avec des images poétiques, en fait, et ça les aide beaucoup. Donc voilà, je pense qu'on va parler un petit peu de ça aujourd'hui. Bah c'est tout, à part ça. Chaud, cosy, agréable et beau. Et là, on suit vive à New York, mercenaire qui a décidé de que ce bat c'était un peu trop fatigant, on avait marre. Alors, on est d'ouvrir un café dans une ville où ils ne savent pas ce que c'est, ils appellent ça du jus de chaussettes ou du jus de raisin pourri, enfin des trucs à peu près sympathiques. Donc, c'est un peu sur l'histoire de l'ouverture de ce café, comment est-ce que. Elle va essayer de le faire se développer, etc. Et donc, il faut lire Johnson Latte. Mais en fait, c'est hyper cosy. En fait, c'est de la cosy fantasy. Avec la flèche, je m'attendais. Tu t'attends pas spécialement à ce que ce soit... aussi bien, mais en fait, tu rentres dedans et... Ça sent bon, ça sent les roulés à la cannelle, le café. Moi qui n'aime pas le café, j'avais envie d'en boire à la fin du truc. Donc, c'était presque convaincant, tu vois. Donc, lisez les Johnson Latte. Jeudi matin et je viens conclure ce vlog. J'ai vu les filles hier, c'était trop chouette. Il y avait Adoria, il y avait Lucie, il y avait Lucie, il y avait Anne-Sophie, il y avait Juliette, il y avait moi et j'en ai oublié, et Aurélia bien sûr, que vous voyez d'ailleurs dans la vidéo, pour parler d'un super bouquin qu'elle nous a toutes convaincues d'acheter. Enfin, de lire en tout cas, qui s'appelle Legend and Latte, qui a l'air très très bien. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'était très très chouette de les rencontrer. On a pu beaucoup discuter livres, on a fait deux librairies, Les Bien-Aimés et La Talente. C'était deux très belles librairies. La Talente donne tellement envie de lire de l'ASF, du fantastique, du fantasy, de plein de trucs. C'est pas mon genre de prédilection, mais là j'avoue franchement... il y en avait qui donnaient très très envie, j'ai pris quelques photos de couverture, de quatrième de couverture. Tous les Terry Pratchett, impressionnants, toutes les éditions de La Talente, Poche et tout, enfin plein de trucs, des trucs sur Tolkien, enfin, Becky Chambers, enfin voilà. Vraiment un choix monumental, si vous êtes à Nantes, si vous y allez, je pense que vous connaissez, mais... On peut rester longtemps, on est resté un petit moment là-bas, on aurait pu rester plus longtemps encore, et c'est très chouette. On allait manger après, et puis on allait boire un verre, on a bien papoté, c'était super cool, donc voilà, j'espère qu'on pourra se revoir, en tout cas j'espère qu'elles se reverront elles entre elles. Je vous fais des coucous si vous passez par là, et moi je vais vous laisser là, je me fais un petit thé, il est 7h25, un petit thé, un petit bouquin. J'ai pas fini hier soir, je m'endormais tellement en rentrant. J'ai lu un peu, mais j'ai pas réussi à terminer. Je suis à la page 351, il me reste 30 pages que je vais essayer de finir ce matin. Et comme ça, après, je commence une lecture qui n'était pas prévue, mais que j'avais quand même pris avec moi dans le sac, au cas où. C'est « Nous, les Allemands » de Alexander Starit. C'est chez Pocket, je viens de le recevoir. Et ça se passe en 44, du côté allemand, en fait. On va raconter... voilà, du côté allemand, ce qui se passe. Il est très court, je vais voir si j'accroche.
Et puis, il fait 230 pages. Il est vraiment court. Donc, ça me fait la journée. Ce midi, je n'aurai pas trop le temps de lire, mais dans le train, j'ai 2h20 de train, donc il y a moyen que je l'avance bien. Soit il ne me plaît pas, et je prends le Julien Dufresne d'Ami, qui me plaira, j'en suis sûre. Voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Il a démarré il y a longtemps, il est fini maintenant. J'espère que toutes ces lectures vous ont plu, que tous les plans que je vous ai faits des librairies vous ont plu aussi. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'été, une bonne rentrée, peut-être vous êtes déjà rentrée, une bonne semaine si vous regardez ça un lundi, un bon week-end si vous regardez ça un vendredi. Et puis, moi, je vais finir Pages & Co. et peut-être me jeter sur le tome 2, en fait. Voilà, peut-être que ça sera ma prochaine lecture en VO, parce que ça me donne un repère et une satisfaction de me dire, de toute façon, si je l'achète et s'il fait 400 pages, pas de problème, je sais que je peux le lire en 3 jours. Donc voilà, très chouette en tout cas, très très contente. Voilà, je vous retrouve un peu plus tard dans un nouveau vlog que je vais peut-être ouvrir maintenant. Comme ça, je peux vous vloguer un petit peu mon retour en train avec ma lecture. Et vous allez retrouver un rythme normal de vlog avec le fond normal et mon petit tableau avec des poissons. Voilà, à bientôt !